Je me présente, je m'appelle Marine, j'ai 22 ans, je fais 1m67 pour 80,4 kg et en fait tout simplement je me dégoûte. Je me sens complexée, je suis complexée, je me sens pas bien dans ma peau, j'ai pas confiance en moi, j'ai perdu la confiance en moi après la rupture avec mon ex. J'ai eu un déclic quand je me suis regardée sur une des photos, quand on fait des photos en famille. Je faisais du sport mais sans être forcément motivée. C'est compliqué de faire du sport quand on n'est pas motivé, on se force à faire du sport, j'ai essayé plein de programmes. Et en fait, là dernièrement, j'ai vu que... Donc j'avais loupé l'annonce pour Pêche, j'avais pas vu ça. Mais j'ai vu pour Alex, en fait j'ai vu qu'il cherchait des personnes motivées. Donc ça y est, jour 1, on va préparer le petit déjeuner, mais avant ça, un grand verre d'eau avec du citron. Après le grand verre d'eau mélangé avec un citron, je vais prendre 200 ml de... J'ai pris 200 ml de lait de soja vanille. Et voilà, c'est tout bon, premier entraînement fini. Je suis KO, je n'en peux plus, je transpire de partout. Je vais donner mes impressions sur le premier entraînement. Je trouve que c'est très bien fait avec la vidéo, c'est génial. On voit le temps et tout. Donc le repas du midi, j'ai 180 g de blanc de poulet et des tomates. Alors j'ai oublié de donner mon impression pour le repas du midi. Donc j'avais respecté toutes les proportions et j'ai eu énormément de mal à finir l'assiette. Jour 2, je me réveille avec des courbatures de malade. I've been out here for some time now. Entraînement terminé, j'en peux plus. Je suis KO. J'ai eu beaucoup de mal avec les pompes, avec les burpees, ça m'a tué. Quand tu es une babysitter warrior et que chez tes petits, il y a cette espèce de montagne à gravir. On est le samedi 17 juin, donc c'est le 6e jour. Donc là, je m'apprêtais à aller faire mon entraînement quand j'ai vu que j'ai reçu une petite notification de Body Time. Donc en fait, la vidéo de la présentation des transformations a été mise en ligne. Donc je l'ai regardée, j'avais peur de la regarder parce que c'est quand même beaucoup d'émotions. Dans la vidéo, on m'entend pleurer. Mais d'un côté, c'est un boost parce que je veux plus être comme ça, je veux plus me sentir mal, je veux... Ça y est, entraînement fait, terminé. Le cardio m'a tué, mais alors le stretching, j'ai une souplesse. Va vraiment falloir que j'améliore tout ça. Et bien sûr, quand on secoue son shaker, on fait attention de bien fermer son couvercle. Pas comme moi, il y a deux jours où j'en ai foutu partout, hein. Quand tes frères, ta petite sœur, ta maman vont manger des merguez et des petites chipolatas, avec la bonne odeur du barbecue qui va avec, et toi, t'es avec ta petite salade, tranquille. Je vais aller faire mon sport. J'ai qu'une seule envie en fait, c'est d'aller dans mon lit tellement je ne me sens pas bien, c'est horrible. Mais je vais prendre mon courage à deux mains et je vais faire maximum de ce que je vais pouvoir faire. Ça y est, entraînement 3 de la semaine 2 terminé. Je suis HS, j'ai tout donné. Petit morceau de pastèque pour la collation. Donc pour ce soir, j'ai 220 g de courgettes et 140 g de blanc de poulet. Ça y est, entraînement 1 de la semaine 3 terminé. Je suis KO. J'en veux plus, mais j'ai tout donné vraiment. J'ai eu du mal avec les fins de sauter, mais j'ai fait à mon rythme, même si du coup j'en ai pas fait beaucoup. Ça y est, entraînement 5 de la semaine 5 terminé. J'en peux plus, je suis KO, j'ai tout donné. Quand t'es obligé de racheter des jeans parce que les tiens sont dorénavant trop grands, et ça fait grave plaisir, je suis trop fière de moi. Je me dis que je commence à avoir des résultats, je fais pas tout ça pour rien. Ça fait grave plaisir franchement de retourner dans les magasins et d'y aller avec plaisir, avec envie. Parce qu'avant c'était la galère, avant j'avais pas envie, avant j'y allais vraiment par dépit et j'avais aucune envie parce que je me trouvais trop grosse. Et franchement ça fait grave plaisir, une belle revanche. Donc aujourd'hui on est le lundi 24 juillet, on débute le début de la semaine 7, donc un peu plus de la moitié du programme. Et aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire, j'ai 23 ans, ça y est. Donc pour ce midi, ça sera de la dinde, des haricots et un petit peu de brocoli. Donc là, ça fait 2 semaines que j'attendais ce soir avec impatience.
Il y a 2 semaines, on était au rendez-vous du bilan des 1 mois. Et en fait, Alex nous a dit qu'on avait le droit de cheater. Donc, dans 2 semaines, donc maintenant. Et la période correspond tellement bien parce qu'aujourd'hui, du coup, bah, c'est mon anniversaire. Et j'en profite. Ce soir, ça va être cheat meal. Donc, on commence le début des festivités avec l'apéro. Voilà, anniversaire, apéro. Très bien. Donc voilà, donc là je suis bien contente parce que là ce soir je vais pouvoir manger des glucides. Oh, ça fait 4 semaines sans glucides, c'est long. Et voilà le Graal du Graal, le tacos tant attendu. Ça fait 2 semaines qu'il est dans ma tête ce tacos, 2 semaines et je vais enfin le manger. Je vais le savourer jusqu'à la dernière miette. Trop trop bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger le tacos. Mais là franchement je cale, vraiment. Là, autant avant je l'aurais dégommé, mais là, mais je m'en fous. Mais s'il faut que je roule par terre, je roulerai par terre, mais je le finis. Je sais que demain, je vais le regretter, mais là, oh là, j'en peux plus, ça fait 45 minutes, je suis dessus. Et voilà, on finit par le gâteau, donc un brownie aux M&M's. On se pète le bide jusqu'au bout, après on reprendra la diète hein, à partir de demain. Ça y est, entraînement 2 de la semaine 7 terminé, je suis HS, je n'en peux plus. Un grand merci à mon petit frère qui m'a filmé tout le long et qui m'a bien encouragée. Et là, j'ai donné le meilleur de moi-même, je suis morte. Quand tu remets un jean que t'as pas mis depuis longtemps et qui avant te serrait et que maintenant te va parfaitement, limite la ceinture, et ben en fait elle sert à rien, ben ça fait grave plaisir et... ça met vraiment de bonne humeur pour débuter la journée. Donc pour midi, j'ai du concombre, de la tomate et du dinde. Ça y est, entraînement 3 de la semaine 8 terminé. Je suis morte, j'ai vraiment tout donné, je suis fière de moi et regardez-moi ce lieu pour faire le sport. Il y a pire comme cadre, hein, franchement. Donc pour ce midi, j'ai des petites tomates farcies avec le thon selon la recette Beauty Time. Ça y est, entraînement 4 de la semaine 8 terminé. J'en peux plus, je suis KO, j'ai tout donné. Je suis fière de moi parce qu'avant les high jumps, j'arrivais pas du tout. Et là j'y arrive de mieux en mieux et ça me fait trop plaisir. Même si je suis pas chez moi et il n'y a pas mon petit frère pour me motiver, je pense à lui et je sais que s'il sera à côté de moi, il me dirait sors-toi les doigts du vin et fais tes head jobs. Même si t'arrives pas, t'en fais quelques-uns. Donc ce midi pour moi ce sera brocoli et cabillaud avec un petit peu d'herbe pour aromatiser le tout. Entraînement 1 de la semaine 12 terminé. Je suis un peu déçue parce que on est à la semaine 12, donc dernière semaine du programme, et j'arrive toujours pas à faire les fentes avant sauter. Un gros fail pour moi, je suis dégoûtée, mais bon, j'ai essayé, mais je vais rien lâcher, je vais continuer et un jour je les aurai ces fentes avant, sans que j'ai l'impression de mourir dès que j'en fais. Donc voilà, mais sinon je suis fière de moi, j'ai fait mon entraînement à fond. J'ai tout donné et séance 1 de la semaine 12, c'est fait. Et voilà, entraînement 5 de la semaine 12 terminé. C'est fait, je suis fière de moi, j'ai tout donné. C'est bizarre, c'est mon avant-dernier entraînement. Demain, on a le rendez-vous des 3 mois, normalement bilan final, donc je suis fière de moi et... Vite. Tu pouvais pas le mettre ce haut avant? Et non, ce haut je pouvais pas le mettre avant, il me serrait trop. Donc je le mettais, mais j'étais toute. Et là maintenant, ça va mieux. Bon, Marine, t'as commencé
Il y a 3 mois, tu faisais 80 kg 400. Ouais. Au bout d'un mois, tu étais passé à 74,3. Ouais. C'est ça ? Ouais. On s'est pas vu le deuxième mois. J'étais pas là. Ouais. T'étais pas là. Donc il y a eu, ça fait 2 mois qu'on s'est pas vu. Et là, t'es à 73,4. Donc il y a eu quand même encore une petite évolution. Ouais. T'as encore perdu 1 kg depuis la dernière fois qu'on s'est vu. C'est ça. Mais t'as perdu 5,5 kg le premier mois. Et ensuite, 1 kg en 2 mois. Ouais. Pourquoi déjà, comment tu te sens ? Et ben là, comparé à il y a 3 mois, je me sens beaucoup mieux. Je me sens mieux dans ma peau. J'ai repris confiance en moi, chose que je ne pensais pas faisable ou pensable il y a 3 mois. Voilà, je me sens mieux. Ok, t'es allée à la piscine, tu m'as dit ? Et oui, je suis allée à la piscine et t'y allais plus. Piscine municipale, bah, j'y allais mais j'avais honte, je mettais ma serviette autour de moi et tout. Ouais. Et là, je sans serviette, j'arrive et... Mais t'avais un maillot quand même, non ? Ah oui, quand même, je minimum quand même. Ok, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es un peu relâchée ? Eh ben, je pense que le fait que je sois pas venue, j'ai pas pu venir au deuxième mois, ça m'a frustrée. Mmh. Et en fait, j'ai eu l'impression d'avoir loupé quelque chose. Et. Mmh. Non, tu sais rien. Et du coup, je pense que la motivation, il y a eu une baisse de motivation. J'ai essayé de me remotiver, mais j'étais pas autant motivée qu'au début. Tu faisais quand même les séances ? Ah oui, tous les jours. C'est quoi ? C'est la diète que t'as relâché un peu ? Ouais, c'est la t'as diète. T'as craqué quelques ouais, fois ? La diète. C'est quoi qui est vraiment ton truc, toi, qui est dur de. Bah, c'est la diète. Ouais. Alors, mais quoi dans la diète ? C'est plus le sucré, plus c'est le salé ? C'est plus le sucré, ouais. Sucré, toi ? Ouais, sucré, ouais. Ouais. Bon, quoique, le manque de glucides, il s'est fait ressentir. Ouais. Ah, j'en pouvais plus, là. J'avais trop envie de manger rien que. Les petits, je leur faisais des pâtes, je salivais dessus, je leur donnais, je faisais comme ça avant de leur donner, tellement bah, ça me donnait envie, mais bon. Maintenant, voilà. De tous les cas, tu sais comment on fait. Oui. Moi, je suis quand même satisfait, j'ai eu des bons résultats. C'est sûr que si on s'était vu et que. Je pense que ça m'aurait reboosté un peu. Ça m'aurait. J'ai pas eu. Enfin, c'est pas comme si j'avais envie d'arrêter le programme. J'avais une chance énorme de faire ce programme, mais je pense que ça m'aurait donné un coup de fouet et j'aurais terminé ce troisième mois plus motivée que jamais. Et je regrette hein, d'avoir. T'as quand même évolué dans le bon sens. T'as pas repris de poids, t'as pas stagné, t'as perdu très légèrement, mais t'as perdu. Ouais. Et au final, sur les 3 mois. T'as quand même perdu pratiquement 7 kilos. Ouais, 7 kilos. Ouais. Exactement 7 kilos. C'est ça. Mais 7 kilos en ayant quand même pris du muscle. Je trouve que tes formes sont mieux placées. Ouais. C'est regalbé. C'est ce que je t'avais dit quand tu m'avais envoyé les photos par mail quand t'avais pas pu venir. Ouais. Donc voilà, écoute, continue comme ça. Merci en tout cas. Merci m'avoir choisi. Et c'est que le début. Hein. C'est que le début. C'est que le début. C'est bien parlé. Garde la pêche, Marie. Merci à toi. Things breaking down to nothing, and sometimes I feel just like one of those waves building up and breaking down again.